بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري، دائما في إطار كتاب المتعلم والمتعلمة ميز أبخوتيساج أون فرونسي سيزيام أني دو لونسينيومون بخيمار نوفيل إيديسيون، الطبعة الجديدة من كتاب المتعلم ديال السادس ابتدائي ميز أبخوتيساج. وصلنا اليوم للصفحة 16 من الكتاب المدرسي اللي كتخص لاكتيفيتي دو لا غرامير، لا فراز نومينال إي لا فراز فيربال. غادي نعرفوا شنو هو الفرق ما بين la phrase nominale et la phrase verbale. L'objectif, c'est d'identifier et utiliser la phrase nominale et la phrase verbale. يعني انك يكون سهل عليك انك تلقى la phrase nominale ou la phrase verbale ou انك تميز بيناتهم وانك تستعملهم. D'accord? Utiliser la phrase nominale et la phrase verbale. C'est bien. On va commencer par la rubrique ce que je sais. Ce sont des questions de l'évaluation diagnostique. D'accord? Remets correctement ces mots en ordre pour obtenir deux phrases. Juge les phrases, Myriam, la mosquée a construit des Andalus belles mosquées. Quelle? C'est bien. On va commencer par le nom. Donc, Maryam. Maryam. Donc, elle dit à Tumchi. A construit le verbe. A construit. A construit. A construit quoi? Donc, a construit à Tumchi. A construit la mosquée. La mosquée. La mosquée. Des Andalus. Les Andalus. Vous avez dit, on a fait le texte de la lecture. D'accord? Les Andalus. Point. La deuxième phrase, on a dit, belle mosquée ou quelle? Donc, nous allons dire, quelle belle mosquée. Quelle belle mosquée. Point d'exclamation. Donc, on a la deux phrases. Maryam a construit la mosquée des Andalus. Et quelle belle mosquée! Quelle belle mosquée! C'est bien. On va passer maintenant à la rubrique j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Suivez avec moi. Donc j'observe et je découvre. Il y en a une photo ici et il y en a des phrases ici. Je vais vous lire les phrases. Suivez avec moi. Le festival des fesses des musiques sacrées du monde a lieu chaque année au début du mois de juin. Un merveilleux événement pour les touristes. La capitale culturelle se pare de toutes les couleurs. Quel beau spectacle! Je répète, le festival de fesses des musiques, Mehrajan Fes del Musiqa, sacré du monde, a lieu chaque année. Les Mujahl al-Alam, ou les Dar Kullaham, au début du mois de juin. Kullaham, le Wildiel, Shahr Yunyu, le Washar Sister. Un merveilleux événement, pour les touristes. Bnisba le Zouar. La capitale culturelle se part de toutes les couleurs. Quel beau spectacle! Il y a le homme qui fait. D'accord? Smholi, quand dans un axe de la vidéo, donc la première question, les mots qui sont le Hunaya, combien y a-t-il de phrases? Combien y a-t-il de phrases? Donc regardez, le festival de fesses des musiques sacrées du monde a lieu chaque année au début du mois de juin. C'est la première phrase. Un merveilleux événement pour les touristes, c'est la deuxième. La capitale culturelle se part de toutes les couleurs, c'est la troisième. Et quel beau spectacle, c'est la quatrième phrase, d'accord? La deuxième question, le mumkin poser, ouais, c'est est-ce que toutes les phrases ont un verbe? Ouais, toutes les phrases ont le verbe. Je vous la première phrase. Le festival de fesses des musiques sacrées du monde a lieu chaque année au début du mois de juin. Il n'y a qu'un le verbe ou a, le verbe avoir au présent de l'indicatif. Je vous fais la deuxième phrase. Un merveilleux événement pour les touristes. Un merveilleux événement pour les touristes, ma vieille, le verbe. D'accord, c'est une phrase sans verbe. La troisième phrase, la capitale culturelle se part de toutes les couleurs. Se part. D'accord, c'est le verbe. Donc, la phrase a dit, le verbe. Quel beau spectacle, c'est une phrase sans verbe. D'accord, c'est une phrase sans verbe. C'est bien. Donc, l'observation est découverte qu'il y en a des phrases qui s'écrivent sans verbe.
Et il y en a des phrases qui s'écrivent avec le verbe. D'accord? C'est bien. On passe maintenant à je manipule et je réfléchis. D'accord? Je manipule et je réfléchis. Il y en a des questions ici. Lis le texte. Souligne en rouge les phrases qui n'ont pas du verbe. Donc regardez. Naya, prenez le texte. D'abord, radinstro en rouge les phrases qui n'ont pas de verbe. Yannirradinstro le verbe. Souligne en bleu les phrases qui ont un verbe. Radinstro elle a les phrases les fihom le verbe. Donc, en rouge, les phrases qui n'ont pas du verbe. Donc, les phrases qui n'ont pas du verbe. On a un merveilleux événement pour les touristes. On a quel beau spectacle. Ce sont des phrases sans verbe. On va dire l'autre. Donc, fihom le verbe. Donc, le c'est très bien. Ça fait, il y en a deux phrases n'ont pas de verbe et deux phrases ont un verbe. D'accord? La quatrième phrase. Comment appelle-t-on une phrase qui n'a pas de verbe? Qui veut-je consommer la phrase li m'indage le verbe? Donc, consommer une phrase nominale. Consommer la phrase, rien que ce la phrase nominale. La phrase nominale. Et comment appelle-t-on une phrase qui a un verbe? La phrase li fiha le verbe. Consommer phrase verbale. La phrase verbale. La phrase verbale. C'est bien. Donc, Naya, Kobelmanchoufou, la règle. Arafna, que les phrases nominales, ce sont des phrases qui n'ont pas de verbe. Et les phrases verbales, ce sont des phrases qui ont un verbe. Ça fait, les phrases nominales, les phrases, les mafihomch des verbes. Fihomch l'affaire. Ou la phrase verbale, les verbes. Ça fait. On passe maintenant pour construire la règle. Voyez, la règle. Je construis la règle complète avec les mots suivants. Radinkamloub, les mots suivants. Et, le verbe être, nominal, qui a un verbe. Une phrase peut être. Jumla, mumkin tkoun, verbal, ou mumkin tkoun, nominal. D'accord, donc, na, tkoun, nominal. Nominal. نعرفين بأنه الجملة إما كتكون نومينال يعني ما فيهاش لو فيرب ولا كتكون فيربال يعني فيها لو فيرب صافي دونك اون فراز بوت اتر نومينال اي فيربال نومينال سي اون فراز كي نا با دو فيرب حنا قلناها نومينال ما كيكونش فيها لو فيرب اكزومبل مثال ميرسي بروفيسور بور سيت ليسون هادي سي اون فراز كي نا با دو فيرب بور لا فراز فيربال سي اون فراز لي كيكون فيها لو فيرب كي يا ان فيرب كي يا ان فيرب C'est une phrase qui a un verbe. Li anda wahed le verbe. Exemple. Cette leçon est très intéressante. Cette leçon est très intéressante. Donc, naya, c'est une phrase, ma fihash le verbe, na ma fihash le verbe, walikin naya fiha le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif. Donc, je répète la règle. Une phrase peut être nominale et verbale. Pour nominale, c'est une phrase qui n'a pas de verbe. Et pour verbale, c'est une phrase qui a un verbe. Exemple pour nominale, merci professeur pour cette leçon. Exemple pour verbale, cette leçon est très intéressante. Donc, c'est ça la leçon d'aujourd'hui. J'ai fait avec vous la page 16 pour la leçon de la grammaire, la phrase nominale et la phrase verbale. Ou bien, je me couche le vidéo tout باش الفيديو القادم ان شاء الله غادي ندير لكم فيه لي زيكزرسيس دونترينمون اي لي زيكزرسيس ديفالياسيون كونسيرن هاد لا لوسون ديال لا فراز نومينال اي لا فراز فيربال كنتمنى نكون كنفيدكم وكنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته